tient cette conférence de presse qui souligne la coopération entre la France et la République de Maurice dans le domaine de la protection sociale. Une très bonne initiative que les deux pays collaborent pour renforcer et améliorer notre système de protection sociale, surtout dans le contexte de pandémie mondiale de COVID-19. Il est impératif d'introduire des mesures innovantes pour venir en aide aux plus faibles. La protection sociale est un instrument efficace pour protéger les plus faibles, réduire les inégalités, construire une société inclusive et assurer un développement durable. Dans ce contexte, permettez-moi, en un mot simple et sincère, et au nom du gouvernement de Maurice, de remercier la France, représentée aujourd'hui par trois institutions clés, l'ambassade de France à Maurice, l'Agence française de développement et expertise France. Je salue les plus hautes autorités françaises pour leurs implications totales dans ce projet. Je voudrais également exprimer mes remerciements et ma gratitude à Son Excellence, Madame l'Ambassadrice, pour votre soutien dans le cadre de ce projet si important pour Maurice. C'est parce que c'est important pour Maurice qu'elle a été le résultat des discussions qui avaient eu lieu au moment où s'est fait ce prêt de contingence qui a été signé en juillet 2020 de 300 millions d'euros. Et donc, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est un prêt de contingence auquel s'adressent des subventions et dont fait partie, parmi dans les thématiques de ce prêt de contingence, il y a ce volet de résilience, action sociale. Pour la France, d'une certaine manière, c'était tout à fait naturel que de pouvoir travailler en partenariat avec l'ONU sur cette question, qui est une question importante pour les populations les plus vulnérables, celles qui sont les plus impactées par cette crise COVID-19, dans un souci d'anticipation et de bonne préparation. Cet effort a été mené de manière conjointe, à titre bilatéral. Pour la France, comme vous le savez, la protection sociale est quelque chose qui est presque à des piliers des valeurs républicaines de la France. La sécurité sociale a été créée dans le militaire d'après la Deuxième Guerre en 1946 et ensuite a toujours su évoluer, s'adapter et être toujours extrêmement présente dans la vie quotidienne des Français et des Français. Donc pour nous, c'est l'occasion aujourd'hui d'avoir cette expertise technique de pouvoir travailler ensemble sur ce sujet qui est un sujet de qui a toujours été un sujet très présent dans la société, que ce soit en France, que ce soit en Maurice et qui continuera bien sûr à l'être.